Itkankira, ça regroupe tout un tas de thèmes, tu vois. Les ingénieurs de son, ben, il y a eu Fakhri, que tout le monde connaît, qui a travaillé sur pas mal d'albums en Guinée ici. Il y a eu aussi Pito Qualité que vous connaissez aussi. Et à part Pito, il y a eu un autre ingénieur ivoirien que, d'ailleurs, je vais profiter de l'occasion, faire un gros big up à Takana aussi. Takana, il m'a présenté un ingénieur aussi qui s'appelle Joe, qui a travaillé aussi sur Itkankira. À part Jojo, il y a eu Cannavaro. Cannavaro qui a fait Dancehall Fitinery. Donc c'est tout un mix. Et Jiggy, un on de beat qui est mon joujou, mon petit-fils, comme je le dis souvent à mes vieux pères aussi. C'est comme ça, c'est une suite logique, quoi. J'ai mes vieux pères aussi. Je suis leur vieux père. Bon, par rapport à Jar Jar, si tu as remarqué, Jar Jar, après Jar Jar, on a fait quelques concert. Suite à ça, il y a eu Corona qui a freiné tout le monde durant 2 à 3 ans. C'est juste ça. Si vous avez remarqué, même le featuring avec Flavor, on l'a sorti il y a 2 mois. Tous les sons et les clips étaient bloqués par rapport à ça. Ça fait au moins 2 semaines que je répète avec les musiciens. Tout est carré, tout est bon. Bon, concernant le nombre de titres, il y en a plusieurs titres, mais finalement, on va finalement prendre 18 titres. Parce que 20 titres, ça sera trop abusé quand même pour les fans, tu vois. Ouais, on pourrait faire un double album, mais c'est pas ce qu'on vise. Il faut donner bien dosé et puis bien équilibré. Ça, je pense que c'est ça en fait. On va partir sur les 18. Nous n'attendons que le public, parce que tous ceux qui sont aspects organisationnels, tout ce qui est aspect, on va dire, structurel et du terrain, nous sommes déjà prêts. Aujourd'hui, quand il faut parler de l'organisation, la logistique, nous travaillons avec la maison Saint-Denis à Prod, aujourd'hui, qui va normalement commencer les travaux d'installation, si tout va bien, soit demain ou après-demain, ça dépendra de la disponibilité et du stade Petit Souris. Au niveau donc de la sécurité, nous avons 20 pick-up de la gendarmerie qui viendront donc ce jour-là, et puis nous avons 5 pick-up au niveau donc de l'OPROGEM, et puis 3 pick-up qui viendront donc au niveau de la protection civile, et nous avons plus de 300 bodyguards donc de bis sécurité.